Hey, salut YouTube, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 34 et on est parti, on a vraiment coupé au milieu d'un dialogue et oui on est en direct en même temps sur Twitch si vous voulez nous suivre, nous rejoindre sur twitch.tv/natiasa. En tout cas, c'est parti. Alors, j'ai eu vent de la nouvelle, alors comme ça tu as pu réintégrer le groupe Galaxy. Toutes mes félicitations, voici quelques potions max pour fêter ça. Pas mal, sympa le pote lui. On dirait que le moment est venu. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tu as fait tant d'efforts pour récupérer la chaîne rouge. Adamantin et Nakshara sont aussi en chemin pour vers le sommet. La farfurelle, elle va nous grimper ça. Illico presto. Natiasa, je te souhaite bonne chance pour tes futurs combats. Je serais bien ennuyée de voir l'un de mes meilleures clientes disparaître. Mais je lui ai jamais rien acheté. Je pense que je vais moi aussi me rapprocher du temple maintenant que le bivouac des Sims semble être le centre des opérations. Non, c'est pas contre toi en particulier, juste je trouve que sur ce jeu, énormément de gens backseat. Ça se peut, c'est vrai. Mais en tout cas, moi ça me dérange pas. En fait, en toute sincérité, je préfère des petits, on va dire, petits backseat comme ça que un chat vide. Voilà, en tant que streameuse, moi c'est. C'est ça un petit peu aussi. On dirait que les choses sérieuses ont commencé. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas loin. Tu mérites quand même bien quelques encouragements. Et attends, c'est Camille ça, les gars! C'est l'autre machin là! Moi, c'est le contraire. Bah, pour me dire que la poudre, elle augmente les stats alors que j'ai même pas envie de les augmenter, ça m'est égal. Bah, parce que ça t'énerve en tant que viewer, c'est ça la question. Votre sacoche est pleine. Ouais, vas-y, mets tout, ouais. C'est vrai, c'est le bazar dans ma sacoche. Attendez, il faut aller appuyer sur moins. Ok, moins. Mais vas-y, il n'y a jamais de place dans ce truc, c'est insupportable. J'ai déjà quitté des lives pour ça. Ah! Là, on a un autre problème alors. Bon, backseatez pas, je veux pas que non plus les gens y partent, mais en même temps, oh là là, complexe, hein. Complexe, complexe. Je sais pas quoi dire. Je suis stressé par la situation. Bon, faites plus de backseat. Voilà, c'est tout. Si Damien, il aime pas. Et on va en plus en faire. En tout cas. On va aller au mont du truc là-haut. Hop. Enfin, ça, la poussière, les champignons, les moisissures, tout ça, ça va à la poubelle. Une boule de neige, pas mal. Bon, vas-y, j'ai. Ah non, mais attendez, j'ai pas récupéré les trucs qui étaient cool, qui étaient là, je pense. Ouais, c'est ça, c'est que là, il y a quelques trucs à prendre qui sont sympas, quoi. Un peu sexy, comme on dirait. Est-ce qu'il y avait autre chose de sexy qui m'intéressait? Je pense pas. On va monter là-haut! Vas-y, farfuret! Mais d'accord. Merci beaucoup à tout le monde de comprendre, vous êtes incroyable! Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Non, je pense qu'on est mieux de prendre l'oiseau. Let's go. Natifonce. Piqué. Atterrissage. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Pourquoi je fais des roulades comme si j'allais me battre Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait plein de roulades en tout cas. C'est qui là? C'est pas le vieux papy qui fait les beignets? Ah si, c'est lui, c'est lui. Pourquoi il est là, Lardy? Oh tiens, toi ici, tu as l'air de bien te porter. J'ai dû lâcher mes fourneaux et entre nous, je préfère être en train de servir mes beignets de patates. Mais c'est Cormier, il m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres. Il a aucune pitié même pour un vieillard comme moi. Il est pas gentil. Enfin, si j'arrive à m'occuper de ça, je devrais bien pouvoir m'occuper de ton cas aussi, non? Hein?
Qu'est-ce qu'il a, le vieux schnock? Qu'est-ce qu'il a? Laisse-moi t'éclairer, je suis le bras droit de Cormier et c'est mon rôle de me débarrasser des gêneurs. Mais il a un vrai truc contre moi, hein. Moi aussi, j'aimerais bien vivre en paix, je suis. Des bombes aveuglantes, tu connais, non? Ben, c'est comme ça qu'on s'en sert. Genre, le papy, c'est devenu un papy ninja? Quand j'entends dire que t'avais apaisé le monarque, mon sang s'est mis à bouillonner. Quoi? Et après toutes ces années à les laisser mariner, j'ai enfin trouvé un dernier adversaire digne de goûter à mes techniques de ninja. Quoi? What? Mais il en a 4! Est-ce qu'il y a moyen qu'ils aient 10 niveaux de plus que moi, hein? Une multitude de boules de feu frappe l'ennemi, elles peuvent aussi le brûler. La puissance double si la cible souffre. Salut, Aroma Nuit! Comment tu vas? Non! Oh non, j'ai le seum! Pourquoi il utilise une potion max? Si je l'avais en puissance, je serais sûr de le tuer. T'as un coup critique, non? Non, mais je survis pas! Non, ça va pas! Ça va pas du tout! C'est la cata! On essaie comme ça. On va aller avec un style rapide pour essayer de vraiment de passer en premier. Ok, vas-y, on en a un de moins. Plus que 3. Donc on a survécu. On va tenter pour machin. Il faut pas que je meure au attaque combat. Normalement non, c'est ça. Et là on fait... On s'en fout, faut juste y aller en premier. Et il faut le one shot. Voilà ça, le one shot. Heureusement qu'il y a le style puissance, hein, parce que sinon ce serait vraiment dur. Hein. Lui, KO. On sait pas du tout contre quoi on va se battre. J'ai envoyé Scorplan. Ça me semble un choix safe. Garde voir. 60! Oh my god, psycho. Damn. Oh, je survis. On envoie direct toxique en puissance. Et on prie pour que ça passe. Ça passe. Ça, ça va vraiment dépendre de son dernier Pokémon en vrai. Galam. Ok. Je sens qu'il me reste un Pokémon full vie et après, c'est la loose. Mais on a Kalinri. Est-ce qu'avec Kalinri en super puissance, on passe ou pas? Normalement, je pense que ça peut passer une Kalinri en super en style puissance. Puissant. Comme Timmy en 3G, j'avais pas fait gaffe à toutes ces références, ouais. Peut-être son ancêtre, je sais pas. Bah après, ça c'est normalement le passé de la 4G, non? Tu as super bien joué, ouais, c'était chaud, hein. Mais Telling Ninja ont peut-être fait leur temps. Mais surtout que là, je pense que personne n'a XP, c'est ça. C'est que là, on vient de faire un combat de ouf, et en fait, comme tous mes Pokémon sont morts, personne n'a XP. Pas mal, je m'attendais pas à moins de toi. Bah ouais, heureusement que j'en avais 4, quoi. Un ninja futé se risquerait pas à continuer de combattre un adversaire trop fort pour lui. Puis au fond, peut-être que je t'aime bien, en fait. Enfin, c'est surtout ta façon de combattre avec tes Pokémon qui me plaît. Mais oublie pas que les Pokémon peuvent aussi être des créatures terrifiantes. Tu sais ce qui est arrivé à notre village natal, à Cormier et à moi? Un Pokémon enragé l'a réduit ensemble, et beaucoup de nos camarades ont péri. Oh, c'est trop triste.
C'est pour ça que Cormier est venu à Ishui. Pour recréer un havre de paix où on pourrait vivre sans crainte. Pour y arriver, il recula devant rien. Et il n'hésitera pas à utiliser les grands moyens. Et s'il y a un Pokémon qui sort de la faille, je pense qu'on aura du mal à retenir Cormier. Fais ce que tu peux pour l'aider, t'es assez forte pour ça. Si t'y arrives, je te ferai de meilleurs beignets de patates que t'as jamais mangé. Let's go. Par contre, faudrait que je me heal. Ah non, il les a heal, ok. Go! Y'a quoi là-haut? Mais j'ai peur de pas être au niveau pour ce qui se passe. Oh mon dieu. Alors par contre ça, les tours là-haut, je les reconnais 10 000 fois, 100 000 fois. Ça c'est les tours de Palkia et Dialga, je suis quasi sûr, en tout cas je pense. Ah te voilà enfin, maintenant faut que t'apportes la chaîne rouge au sommet. Je me demande si le Pokémon qui s'approche du sommet de la montagne est le Grand Sinnoh. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Le Grand Sinnoh nous a fait enfin l'honneur de se montrer et Cormier nous empêche de passer. Bah allons-y tous ensemble hein. Tous ensemble, tous ensemble. Hey. Hey. C'est vrai qu'ils n'ont pas de Pokémon en soi eux. Ils servent un peu hein. T'es là bien en armure les gars. Ça rigole pas hein. Je me doutais que c'était toi. Il paraît que tu comptes lier le monde avec une chaîne rouge par lier. Je suppose que tu entends le nouer et le maintenir dans la droiture. Mais devrais-je te faire confiance? Bien sûr, vous devez me croire. Vous devez me croire. Il voudra pas me croire. Vous croyez pas qu'il serait temps d'être un peu raisonnable? En tant que chef du clan, je suis bien placé pour comprendre que vous souhaitez protéger les habitants de votre village. Mais comment pouvez-vous douter de Natiasa? Réfléchissez un peu. Peut-être que tu as raison. Mais je dois... Mais de quoi aurais-je l'air devant les habitants du village si je le fais aveuglément confiance à une inconnue? Natiasa aussi met sa vie en jeu pour sauver Rusticité, n'oubliez pas ça. Bon, entendu. Dans ce cas, affrontons-nous pour décider qui se chargera de la suite des opérations. Natiasa, prépare-toi au combat, je vais donner tout ce que j'ai. Oh non, 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 non. Mais attendez, est-ce que dans l'histoire, il y a un monde où si je perds, genre, j'ai plus le droit de jouer au jeu? Parce que lui, il doit aussi avoir des Pokémon très forts. Il y a moyen qu'il ait, genre, Guerrier, tous les montures, non? Après, faut que tu rachètes un jeu. Punaise, j'en étais sûr. Je suis parti sur un direct toxique puissant parce que je me suis dit qu'il y a des chances que je me fasse one shot. Alors si je peux aller appliquer un poison, ça peut être pas mal. En supprimant la sauvegarde, ça passe aussi. Ça va, ça coûte moins cher. Alors, le petit poison il fait vraiment plaisir. Hop, on va envoyer du coup Typhlosion. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire un puissant. Je pense qu'une balle ombre normale ça devrait suffire. Voilà, ça passe. Attendez. Je contrôle la caméra là ou pas? Un complexe. Ah, c'est fort furé notre super efficace sur Ronflex. Sinon on peut aller... On n'a pas de... Ça c'est 100 ou ça c'est... Je pense qu'on va aller sur une surchauffe. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. J'aurais peut-être dû revive... Parce que là en vrai on a rien de super efficace à part sur fort furé. Qui tankerait le mieux? Je vais envoyer Luxray. Attendez, faut que je réfléchisse.
On envoie le rappel, Max. Réfléchisse bien. Ouais, ok. Vas-y, on envoie Luxray. Je me suis... J'accepte de perdre Luxray pour envoyer mon Farfuret. Là. Je vais sur une close combat. Je pense que ça le tue. Non, ça le tue peut-être... Ah si, ça l'a tué. Ouais, parfait. Ok. Je suis stressé de ouf. Melodelf. Ok. Ok, du coup ça part sur un direct toxique en puissance. Ouais, je suis quasi sûr que je l'envoie en puissance celui-là. Je sais pas si vous dites en puissant, pas style puissant quoi, du coup. Hein. C'est ça. Là, ouais, l'empoisonnement, il me le fallait vraiment. Ok, on va faire un style rapide. Putain, c'est chaud. J'ai essayé de trouver un angle intéressant au combat depuis tout à l'heure. Ok. Ah, il survit. Le poisson, le poisson. Le poison, c'est pas mal, punaise. Ça, c'est bien. Oh, c'est pas mal du tout. Gros lème. Bon bah ça part sur un boubombe en puissance. Ok, l'écran de fumée, va falloir qu'il nous aide. Ok, il nous a pas aidé. Là c'est chaud parce que je crois qu'on a plus rien. On peut partir sur Chaffreux parce qu'il a Canini tranche nuit, il va faire one shot l'oiseau, hein, on le sait déjà. Si on part sur une câlinerie en puissance, même sans, s'il a pas trop de points de vie, ça peut le faire quoi. Voilà, c'est bon, ça passe. Ça passe, on n'a pas besoin de racheter un jeu, on est sauvé. Pouf, on a eu chaud. GG, bah merci à vous, GG. Bah, de m'avoir supporté. Si les Pokémon menacent notre existence, nous avons d'autres choix que de les éliminer. Ok. Bon, à chaque fois, par contre, du coup, personne n'XP. Quelle force extraordinaire. Ouais, je suis niveau 50, t'es niveau 60, mon pote, je t'explique que... Ah oui, c'est plus sa genouillée, là, le mec, il nous fait une prière devant moi. Tiens, ça, tu m'as convaincu, je te dois de sincères excuses. Dirigeant Cormier. Je te demande cela un peu tard, mais s'il te plaît, aide le groupe Galaxy. Je veux dire, aide le club Céleste et les Pokémon de Hisui. Moi, t'inquiète, je vais y arriver, Jules. Ça va aller, ça va le faire, mon pote. Vous en faites pas, Cormier. Au pire, il y a la sauvegarde. T'éteins, tu rallumes, ça marche. On a la chaîne rouge. On n'avait pas fait notre combat ici, là. On est redescendu. C'est quoi les Pokémon, là? C'est le cerf. Ça, c'est Hachécateur. Fragile Lady. Le truc. Arcanin. Le truc dans l'eau. Farfurex. Électrode. Seracrol. Seriegg. Serre d'aigle. Non, je sais plus son nom. C'est rien, je sais plus. Allez, il est temps d'utiliser la chaîne rouge. Vas-y, va se passer quoi? Attendez, mais qu'est-ce que ça? Dans ma tête, il y a quelqu'un qui... Non, dans mon cœur, quelqu'un me pas... Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer. Dakshara, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on doit te capturer? Grand Sinnoh, oui, c'est le Grand Sinnoh qui m'a parlé. Porteuse de la chaîne rouge, tu dois me capturer pour le combat à venir. Tiens, prends ça. C'est moi des rappels max, putain, mais pas des hyperboles. Dis hyperboles, tu veux que je fasse quoi avec ça? Mais je vais pas faire grand chose. Oh la vache.
Waouh. Ah, du coup, comme j'ai pris le clan Perle, ça m'a donné lui. Ça m'a donné Palkia. I don't like. Ah ok, le mec il l'a brisé quoi la chaîne, il a fait balistique frère. Je prends la manette parce que j'ai l'impression qu'à tout moment c'est pas un combat. Ah si c'est un combat. Mais attends mais il est niveau 65. Et là on joue pas à one shot moi. On va pas pouvoir le capturer en fait. J'ai pas le choix de prendre mon meilleur, mais le truc c'est que moi jusqu'à présent je m'amuse à one shot tout le monde. Du coup on va faire Kalinri pas en puissance parce qu'au cas où. Donc on aurait pu faire Kalinri en puissance je pense. Parce que du coup là c'est la loose. Et là on va jamais. Hello darkness my old friend. Pour la paralysie, bah pour la capture c'est pas mal. Bon, je sais pas du tout comment je vais faire mais je sais pas trop. C'est la loose. Parce qu'en même temps il faut faire mal mais en même temps pas trop tu sais. Mal un peu mais pas trop. Là faudrait lui refaire des dégâts. À Kalinri, un sang super efficace. Il faudrait un truc. Je pense que le direct toxique à 80. Avant tu one shot, maintenant c'est toi qui te fais one shot. Bah je me faisais one shot un peu avant aussi tu vois, mais le truc c'est que là faut vraiment que je maîtrise ce que je suis en train de faire quoi, c'est un peu ça. Mais là si j'ai aucun Pokémon qui tank, si ma Hyper Ball passe pas, c'est juste fini. Ça s'arrêtera là, tu vois. Là, j'ai juste deux Hyper Balls, je peux tenter. Et c'est juste tout, en fait. Alors là, c'est ça passe ou ça casse. Bon bah, ça passe. Depuis tout à l'heure, tout passe. C'est chaud, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Et le cheat, en vrai, franchement, je sais pas trop comment je pense ça. Hein. Tu l'as attrapé? T'as vraiment attrapé le grand Sino? La chaîne rouge a éclaté, mais on doit quand même une fière chandelle aux Pokémon des lacs pour leur aide. Natiasa, congratulations. J'ai bien observé ton combat. Ainsi que le moment où tu l'as attrapé. Tu auras la fierté du corps des chercheurs. Attendez, c'est bon, j'ai pu mourir, merci bien. Ah la vache, je pleure tellement j'ai de la misère à tousser. Et puis c'est aussi parce que je lui ai tout appris. Mais du coup, l'autre, il a dit qu'il était mon assistant, maintenant il m'a tout appris. C'est quoi cette affaire-là? Le grand Sino, enfin je veux dire Palkia, il essaie à nouveau de me parler. La force de la faille a diminué. Un autre être puissant arrive, c'est pour lui... que je suis descendu. Comment il y en a un autre? Mais la chaîne s'est brisée. Le chat il a eu trop peur quand j'ai crié. Mais la chaîne s'est brisée. Même Natiasa ne pourra pas supporter un second combat de cette intensité. Non. Non mais attendez, il a... Non c'est vrai, il a raison. En fait mes Pokémon sont morts. Oh, wow. Comment je l'adore trop, il est trop... Par contre, je suis clairement Team Diamant, quoi. Trop beau, le légendaire. Ah, celui-là, il est trop stylé. On m'a peut-être pas vu de près, avec sa grosse tête, là.
fait mon chat? I'll go. Nous devons fuir avant que le second grand sinon nous attaque. Vite au bivouac des cimes. Mais Cormier, on peut pas s'en aller comme ça enfin. Nous avons pas le choix. À quoi servirait-il de mourir ici? Mon chat, arrête de me... Qu'est-ce qu'elle fait? Ça vaut pour toi aussi, partons d'ici. Pourquoi on n'est pas allé se battre? Vous me healez mes Pokémon et je tente des techniques. Hein. Quelle puissance extraordinaire, impossible de faire des recherches sur une créature pareille. Et pourtant tu n'as pas flanché face à lui, Natiasa. À propos, as-tu ressenti toute cette énergie qui émanait de la faille? Tout porte à croire que cette même énergie a pris la forme d'éclairs qui se sont abattus sur les monarques et qui les ont enragés. Les grands Sinnoh vénérés par chaque clan existaient donc bel et bien, ça alors. Ça me surprend presque autant que de voir Cormier perdre son sang-froid. Dankshara, Adamantin, je vous présente mes excuses. Vous avez toujours cru en Natiasa et vous avez eu raison de le faire. Natiasa, à cause de mes actions égoïstes, je t'ai poussé à quitter le groupe Galaxy et à devoir faire face à de grandes difficultés seule. Et malgré tout cela, tu fais tout ce que tu peux pour sauver Ishui. Eh oui. Bon, on n'allait quand même pas regarder la faille spatio-temporelle sans rien faire. On a bien compris que vous aussi, Cormier, vous aviez vos raisons d'agir comme ça. Eh, monsieur Cormier, je crois qu'il y a plus urgent. Il y a plus urgent au temple de Sinnoh. Vous avez raison, professeur. Assez parlé du passé, faut faire face à la menace présente. Je reconnais bien là votre esprit scientifique. Oui, on peut lui faire entièrement confiance. J'ai l'impression que tout le monde a gagné en assurance. Serait-ce grâce à Natiasa? Peut-être, mais Natiasa est tellement forte qu'elle peut se passer de toute notre aide. Oh, tu ne vas pas un peu vite en besogne? Je te rappelle que la chaîne rouge est brisée. Ça va aller, le grand Palkia m'a tout expliqué. Palkia, tu parles du Pokémon de tout à l'heure? C'est ça, c'est lui qui m'a dit son nom. Il m'a aussi dit quelque chose d'autre. Bah balance! La pierre à l'origine de l'univers, la chaîne rouge. Le réceptacle créé des mains de l'humanité. Assemble-les et apaise le chaos qui menace le temps. Puis il a dit que nous devrions aller au temple avec lui. La chaîne rouge est brisée, mais j'ai pu en récupérer des morceaux. Je suppose que le réceptacle créé des mains de l'humanité est une Pokéball. Oui, je suis d'accord. Je vous, j'avais pas pensé à ça, il est trop fort lui. Oui, je suis d'accord. Mais pour la pierre, par contre, aucune idée. Elian, c'est peut-être quelque chose. On sait peut-être quelque chose. Il connaît très bien les minéraux et passe son temps. Bah, la pierre, c'est pas genre la perle de perle, justement. Il connaît très bien les minéraux et passe son temps dans les mines à la recherche de ressources. C'est une piste pour le moins intéressante. Et vous, professeur Lavande, auriez-vous une idée de ce qu'est cette pierre? Oh, il a une idée. Yes! Natiasa, tu te souviens de ces plaques que les Pokémon t'ont offertes? Percupio nous a dit que des messages étaient gravés dessus. Pourrais-je les voir un instant? Vas-y, prends. On en a 25, je crois, des plaques, non? On en a 10. Voilà, j'en étais sûr. Le message gravé sur les plaques Terre est un indice. Quand l'univers fut créé, ces fragments formèrent cette plaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons rechercher une pierre aux propriétés similaires à celles des plaques. Percupio a certainement déjà dû interroger Elian pour savoir s'il avait vu une pareille pierre. Maintenant que vous le dites, je me souviens que Percupio était venu au Hameau Diamant pour poser des questions sur les plaques. On dirait bien qu'on est sur la bonne voie. Dans ce cas, partons à la recherche de cette pierre à l'origine de l'univers. Appelons-la minerai d'origine. Bon, va falloir attraper Diaga. Nashara, peut-on compter sur l'aide de ton clan? Évidemment. Je vais dire à Elian de venir nous retrouver au bivouac des cimes. Let's go! J'ai entendu patiemment que l'on daigne faire un appel à moi en vain. Donc j'ai décidé de venir quand même. Camille, le plus beau, pour vous servir. Insupportable celui-là. Adam, ils me font un rôle à la mesure, à ma mesure dans cette histoire. Camille, t'as décidément aucun respect. Je suis le champion du clan, l'oublie pas. Mes excuses, monsieur le champion. Et mon rôle dans tout ça?
Dis-moi ce que je dois faire et je veux que ce soit un truc digne de ma personne. Contente-toi de nous soutenir. Les autres gardiens s'occupent des monarques et des habitants du amoureux. Tu es à côté de la plaque, Adam. Tu crois vraiment que ce genre de tâche de second plan est adapté à mon génie? Finalement, on dirait que toi, tu as réussi à sortir ton épingle du jeu. T'as le seum, hein. Et je tiens à te récompenser personnellement. Mais je veux rien de toi, moi. Sois fier de te revoir, ce que j'appellerais en toute modestie le prix Camille. Seulement, elle rappelle Max des truffes sucrées. Génial. On est trop heureux d'avoir le prix Camille, les amis. Voilà, Elian. Elian, ton chapeau est aussi approprié que le rôle crucial qu'on t'a confié. Je désapprouve fortement. Les minerais de Issus sont une ressource particulièrement précieuse. Il serait donc bien normal que je me charge de cette mission, puisque j'étais le premier à m'y intéresser. Mais si tu n'es pas content, tu veux peut-être affronter Ashikator pour voir? Avec ton espèce de boule là, qui te fait office de Pokémon. Comment oses-tu te moquer d'Electrode? Tu ferais moins le malin quand je lui ordonnerais de t'électrocuter. Bon, c'est quoi ces histoires là, ces enfantillages? Du calme, Camille. On doit collaborer avec le clan Perle, pas déclencher une guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Adam? Au hameau, tout le monde sait que le grand Sinon, enfin je veux dire Palkia, s'est adressé au clan Perle. Les gens commencent à se demander si tu mérites vraiment d'être chef. Oh, c'est trop méchant. Écoute pas, Elian, je compte sur toi. Âge mental, 5, clairement. Je me charge de tout. Dans ce cas, rendons-nous donc à la grotte préhistorique. Et voilà, c'était la fin du coup de cet épisode. En vrai, on en a grave appris, on a capturé un légendaire. J'ai trop hâte de savoir ça va être quoi la suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi voulez voir la suite, à mettre un pouce bleu. C'était Natiasa et c'était un plaisir. À la prochaine, tchuss! We'll be right back.